Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec les Ottomans bien sûr et un début de Let's Play un petit peu tranquille, classique je dirais et c'est peut-être maintenant qu'il va falloir prendre quelques risques. Bon, des risques c'est un bien grand mot, mais en tout cas décider quelle direction prendre. Et je dirais que la Serbie me semble une cible toute désignée. Avec tout simplement l'objectif de la vassaliser. Alors j'ai aucune province qui pourrait m'appartenir de manière vraiment légitime. De fait, j'ai revendiqué quelques provinces, mais je pense pas que j'irai jusqu'à les demander en fait. Ça me paraît pas nécessaire. Je vais plutôt essayer dans un premier temps, pendant tout le let's play d'ailleurs. De faire grossir 4, 5, peut-être 6 vassaux, ça dépendra combien j'ai de relations, de les répartir tout autour de moi. Donc la Serbie pourrait être mon vassal européen, la Crimée peut-être pourrait être mon vassal au nord, mon vassal russe je dirais peut-être, Akoyunlu est déjà mon vassal à l'est, et au sud, et bien au sud ça va être un peu plus compliqué. Peut-être que Akayunlu me servira de vassal à l'est et au sud, ou peut-être que je pourrais caser un autre vassal, je sais pas, Shirvan ou la Géorgie, j'en sais rien, et faire grossir Akayunlu à... Déjà, je vais changer son nom, on peut pas changer le nom du pays, parce que celui-là, j'arriverai jamais à le prononcer. Non, ça va pas être possible, ça. Hein. Je crois pas qu'on peut changer les noms des pays. Ce serait marrant, mais je crois pas que ce soit possible. Donc Akayunlu, comment je vais dire ce pays, j'y arriverai jamais, Akoyunlu, peut-être les faire grossir plus vers le sud, on verra. Mais en tout cas, oui, la Serbie m'intéresse au plus haut point. Alors la grippe, peu importe. Oh, l'Albanie va disparaître, ce qui va me donner un casus belli sur... Ah mais est-ce que ça veut dire que Venise va être en guerre contre la Hongrie ? Ouais, tout à fait. Ça, c'est pas mal. Bon, ceci dit, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop, puisque j'ai un peu renoncé à faire la guerre à la Valachie, qu'à ce problème-là de culture valaque qui me coûte très cher. Bon, on verra. Pour l'instant, je vais faire la guerre définitivement à la Serbie. Derrière, il y a la Bosnie. La Bosnie, je pense que je vais leur faire payer tout simplement. Ou alors, ce que je peux faire, c'est vassaliser plutôt la Bosnie et leur donner des territoires serbes. Non, ce sera pas possible dans ce sens-là. Bon, on va faire simple. On va vassaliser la Serbie et faire payer la Bosnie. C'est parti. Il n'y a pas de surprise à attendre. Non. Bon, par contre, j'ai peut-être pas pris assez de soldats pour la première attaque. Du coup, j'espère qu'ils vont pas trop bouger. Non, c'est bon, on va les avoir. Donc là, j'ai les 5% de remise, je les prends. Et pourquoi on n'a pas eu l'institution, là, quand même ? Qu'est-ce qui pourrait retarder ? Parce que normalement c'est quand même au 1er janvier de chaque année. Peut-être que personne n'a les conditions requises en fait. Les conditions, très clairement, il faut être en Italie. Il faut ne pas être une île. Il faut avoir 20 de développement. Peut-être que... Rome a 28, si, il y a plein de monde qui a 20 de développement forcément. C'est bizarre quand même. Il doit y avoir quelque chose, une condition qui n'est pas remplie par tous les états et du coup ça bloque tout. Bon, on va voir. Voilà, donc là la guerre est un peu finie. On va essayer de trouver... Non, on va faire le siège tout simplement. On va reculer là. Et on va attendre de voir ce qui se passe. Je vais prendre cette province. Alors ce que je pourrais tout de suite faire... c'est désarmer les forteresses, j'en aurais pas besoin.
Ce que je pourrais tout de suite faire aussi, c'est un petit mariage royal avec Akoyunlu. Ça va me donner un nouvel héritier qui est pas si mal que ça. Non, ça me donne ça me donne pas un héritier, ça me donne une consort, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, ça c'est pas très important. J'aurais préféré avoir un héritier, mais au moins le mariage augmente mes chances d'avoir un héritier de façon intéressante. Et les Ottomans, de toute façon, sont très très forts, entre guillemets, pour ce qui concerne les héritiers. Ils ont un bonus assez phénoménal, dont j'ai oublié la valeur pour l'instant, mais... Ah, ça coûte cher à légitimer tout ça. C'est combien déjà le bonus pour les Ottomans? Des chances d'avoir un héritier? Je sais pas si c'est pas 100% ou... où est-ce que je peux voir ça? Je ne me rappelle plus. Non, c'est pas là. Je sais plus où c'est. La Géorgie est en guerre, d'accord. Ah, je sais plus du tout où trouver ça. Ah, ici. Les Sunnites, pardon. Je disais les Ottomans, mais dans mon esprit, oui, c'est les Ottomans en quelque sorte, mais c'est pas que les Ottomans. 100% de chance d'avoir un héritier en plus. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que techniquement, 100%, ça me paraît un peu énorme quand même. En général, c'est pas trop un problème d'avoir un héritier, mais avec le double de chance, ça devrait tomber du ciel, les héritiers, quasiment. Or là, techniquement, on voit, ça fait 5 ans que j'attends. Et grosso modo, il s'est encore rien passé. Donc je sais pas trop comment est calculée cette idée de 100%. Je sais pas sur quelle base. Mais bon, je pense que c'est pas tout à fait aussi évident que ça, quoi. C'est peut-être pas 100%, je sais pas, honnêtement. Mystère pour savoir comment est calculé ce chiffre. Parce que sinon, en 5 ans, là, avec deux fois plus de chances d'avoir un héritier, ça devrait être bon. En tout cas, ça veut dire quand même qu'en général, on n'aura pas de problème de transmission de pouvoir. Ça se passera plutôt bien. L'Écosse est perdante. Alors ça, c'est étonnant. L'Écosse a fait une paix séparée. Elle a perdu pas mal de territoires. Deux territoires. Et par contre, l'Angleterre, évidemment, est perdante sur le continent et je crois qu'elle pourra pas s'en remettre, entre guillemets. Si la France n'est pas attaquée par quelqu'un d'autre, ça va pas bien se passer pour l'Angleterre. Ça, c'est une certitude. Alors, ici, je vais prendre ça. Bah, je profite du fait que j'ai pas encore le malus. Enfin, de toute façon, après, il faut le temps que le malus monte, mais... Cette institution, je comprends pas bien. Je réfléchis, hein, mais là, finalement, on a les... conditions ici... Non, voilà, pardon, là. Donc il faut être en 1450, ça c'est bon. Il faut être en Italie, donc c'est une ville italienne. Relève d'un état. Bon, a priori, toutes les provinces relèvent d'un état. Ça, je comprends pas bien cette condition. Il faut pas être à Malte, il faut pas être une île. Et il faut valider les deux conditions, au moins l'une des deux. Avoir 20 de développement ou être la capitale. Donc par exemple, il y aurait Rome, il y a plein de provinces qui peuvent prétendre. Peut-être que c'est à la fin de l'année, mais d'habitude c'est plutôt le 1er janvier, quoi. Ah non, c'était en 1451. Alors, la Renaissance. On va voir, de toute façon c'est en Italie. Je préférerais honnêtement que ce soit à Naples. Ça, ce serait la bonne nouvelle si c'était à Naples. C'est très près de chez nous. Donc, on va voir. C'est pas tout à fait à Naples, hein, mais c'est pas si loin. Urbino. Alors, ça va très vite se transmettre en Italie. Moi, je pense que ça va se propager. Alors, ça va se propager très lentement à toutes les provinces qui ont plus de 10 de développement. Et du coup, Constantinople, ça va être un peu plus rapide. Ouais, bon. Non, la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même un peu au centre de l'Italie. Ça aurait pu être complètement au nord. Et là, ça aurait été très long. Le fait est que c'est bon, c'est au milieu, c'est pas totalement au sud, c'est vrai. On aurait gagné à ce que ce soit à Naples.
Mais d'ailleurs, Naples, je sais pas si c'est possible parce qu'ils sont pas indépendants, mais a priori, il n'y avait pas de conditions de ce genre, donc je pense que c'était possible. Je m'en sors plutôt pas bien, plutôt pas mal, je veux dire. Je mélange les mots. Donc on devrait attendre peut-être 20-25 ans avant de pouvoir prendre cette institution, mais... Oh, je vois une mauvaise nouvelle là. C'est quoi ce délire? Ramazan. Merde, ils ont vassalisé un de mes territoires là. Ah ça, il va falloir que je leur fasse la guerre, il n'y a pas photo. Ouais, d'accord. Bon bah eux, ils ont gagné le droit de... Ils ont gagné une guerre, je crois. Ils vassalisent des territoires qui dépendent de moi, enfin sur lesquels j'ai des grosses revendications, on va dire. Donc forcément, quelque part, ça va pas bien se passer. On va pas être potes. Alors pendant ce let's play, je vais en fait essayer d'alterner les conquêtes à l'est et à l'ouest pour éviter peut-être des coalitions qui pourraient naître si je me concentre sur une seule région. Merde, il est là. J'ai pas de leader. Ok, c'est réglé. Pourquoi je peux pas bouger là? Non, ok, c'était à moitié un petit bug là. Ouais, je vais essayer d'éviter de me concentrer sur une seule région, ce qui pourrait engendrer des coalitions. Enfin, une coalition déjà, c'est pas mal. Donc alterner est-ouest, est-ouest, nord-sud peut-être, mais bon, déjà est-ouest, ce serait pas mal. Pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui trinquent et qu'au bout d'un certain temps, des gens se disent, les Ottomans, ils sont un peu trop forts là. Il va falloir les calmer. Bon, bah, cette petite guerre va tranquillement. J'aimerais beaucoup tirer un peu d'argent de la guerre avec la Bosnie et puis après vassaliser ça tranquille. Dans un premier temps, non, je vais avancer quand même. On va pas laisser tomber comme ça. Là, ça m'embête de m'avancer sans leader, j'avoue. Je vais peut-être attendre un peu. Là, ça m'embête moins parce que je suis protégé par cette armée à la rigueur, mais... Ouais, je vais pas prendre de risque. Ce serait bête de perdre une bataille à un moment comme ça où rien ne... Enfin, où je pourrais éviter de perdre des troupes, quoi. C'est pas la peine. Déjà que là, mes réserves diminuent quand même un petit peu au fur et à mesure, finalement. Voilà, une fois que cette province est prise, par exemple, là, je peux basculer de l'autre côté et défendre avec cette armée-là derrière, prêt à sauter sur Bosna là, pour sauver potentiellement cette armée. Surtout qu'on est en colline, donc on aura un petit avantage. Ça me permet de voir les choses venir. Ok, c'est parti. Ok, bon, ça, c'était le siège facile, évidemment. Ah, ça me saoule. Évidemment, on m'envoie des textos au mauvais moment. Ça va pas me plaire. Ok. D'accord, j'arrête parce que sinon, je vais pas y arriver. Bon, je pense que pour avoir la paix séparée avec la Bosnie, il faut au moins que je prenne la capitale. Ça me semble être la condition minimum. Puisqu'il faut de toute façon 10% de score de guerre, ça c'est une certitude. Et qu'en prenant des provinces comme ça... Ah, je suis déjà à 31, ceci dit. Ouais, mais voilà, pour l'instant ça suffit pas. Ils vont pas se laisser faire comme ça. Donc là, on va faire une revendication sur la Crète. Ici, on va commencer les revendications. J'en ai qu'une à faire, d'accord. Bon. Je peux faire une revendication sur Trébizond, hein. Ouais. Donc on va continuer.
Bon, j'espère qu'on va très vite prendre cette province. Bon, se faire insulter par les Timourides, honnêtement, je ferai pas de commentaires, mais c'est pas ça qui va me déranger plus que ça. Donc maintenant, hein, très clairement, on va voir cette pénalité augmenter. Il va falloir très vite que je prenne cette science. D'ailleurs, la question peut se poser de savoir si je dois la prendre maintenant ou pas. Parce que si j'attends, peut-être qu'on va monter au-dessus des 5% et du coup, ça deviendrait moins intéressant. Et comme c'est vrai que souvent la technologie administrative, c'est celle que les pays prennent en dernier. Ouais, je vais quand même attendre, hein. C'est risqué. Si ça monte au-dessus de 5%, je serai perdant. Ok, donc là, on va discuter cette fois avec la Bosnie qui va plus rien nous refuser du coup. Ok, des réparations de guerre. Pas mal d'argent finalement, ils étaient relativement riches. C'est bien une paix séparée. Ok. Ça y refuse, ouais. C'est pas le plus intéressant. Parfait. Ça m'a coûté 10 000 hommes, ils ont perdu 43 hommes. C'est bien cette nouvelle stat, hein. Ça n'existait pas avant, hein. Le décompte des pertes. Ça fait longtemps que j'avais envie de voir ça. Et ça nous montre très clairement l'importance de l'attrition. On verra au fur et à mesure que là, par exemple, j'ai perdu 10 000 hommes rien qu'à cause de l'attrition. Puisque techniquement, il n'y a pas eu de bataille avec la Bosnie. Donc là, on va les vassaliser. Ouh, ça coûte cher. Ouais, ça devrait aller. On va peut-être avoir quelques coalitions. Une coalition déjà? Je vais leur laisser la moitié de leur argent, peut-être. Ouais, de toute façon, ça coûte 118 points diplomatiques, mais il faut bien en passer par là à un moment donné. J'ai pas le choix. Ok. Bon. Ça a coûté plus cher en expansion agressive que je ne le pensais, j'avoue. Est-ce que... Alors, on va pas voir une coalition dès le début, j'y crois pas trop honnêtement. Ce que je pourrais faire, c'est donc faire une petite pause de quelques mois, mais j'ai pas envie non plus de m'arrêter si tôt. Ah, je pense que techniquement la pause, je vais la faire jusqu'en novembre. Je vais faire 1 an et demi de pause et je ferai la guerre à la Karamine qui a toujours pas d'alliés. Pour récupérer mes territoires légitimes, voilà. J'ai trouvé une excuse pour faire une petite pause, la fin de cette trêve. Alors du coup, je vais placer mon armée sur Teke là. Ok, Karakoyunlu est très agressif en ce début de let's play. Donc là, j'aimerais bien avoir mes 5% de remise, j'avoue. Je commence à être assez impatient. Alors, une petite revendication sur Trébizond. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de la Géorgie, par exemple? Ils ont vassalisé la Géorgie. Du coup, je peux faire des revendications sur la Géorgie. La Crimée, j'ai amélioré mes relations. On est plutôt bien. On pourrait aller jusqu'au mariage royal. Est-ce que ça m'intéresse? Je sais pas. J'ai pas trop envie d'avoir. En fait, dans mon esprit, j'avais pas envie d'avoir d'alliés, j'ai juste envie d'avoir des vassaux. Les vassaux, c'est quand même beaucoup plus pratique que les alliés, honnêtement. Donc pour l'instant, je vais m'abstenir. Si je pouvais avoir 5, bon, 4 alliés puissants pour l'instant. Voilà qui serait très très fort. Donc on va plutôt partir dans cet esprit. Et on va s'abstenir de toute alliance pour l'instant. Après, je dis pas que je changerai d'avis au fur et à mesure. Que je changerai pas d'avis, pardon, on verra. Alors, encore 1 an de trêve. Ce serait bien de faire la guerre à Venise finalement, mais non, j'ai dit qu'il fallait que j'alterne les guerres Est-Ouest. Il faut pas que je me prenne une coalition comme ça dès le début.
Ça ferait mal. On va continuer à faire les revendications doucement. Ah voilà, ça c'est parfait. J'attends pas plus en fait. Hein. 5% c'est bien. En fait, les 5% là, je les prends parce que j'ai 1500 d'or à dépenser dans des temples. Et ouais, certains rapportent gros. Hein. Constantinople 0,43, 0,20. 0,15, 0,17, 0,16. Il y en a qui rapportent pas mal finalement. Et ça, ça va être un sacré boost. Hein. J'ai pas fait le total, mais. 0,13, 0,15 là. 0,13, 0,13, 0,12. Ah, j'avais 0,13 ici. J'ai fait combien de bâtiments là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 bâtiments qui me rapportent au moins en moyenne 0,12 ou 0,13 même, 0,15. Donc techniquement ça va me faire peut-être 2 ducats de bénéfice en plus. Bah c'est bien. Pour un début de let's play je trouve qu'on est riche. Hein. Je l'ai dit, hein, les Ottomans de toute façon sont de loin. Alors ils sont peut-être pas la première nation au début. Mais ils ont tellement de conquêtes faciles que... Là, à mon avis, je suis déjà techniquement devenu numéro 1. Même si les Ming apparaissent devant moi. En termes de développement, ils sont quand même à 1109, mine de rien. Mais je doute pas que... Je passe premier assez rapidement. Même si là, pour l'instant, c'est pas encore sur le papier le cas. Bon, on est en juin. Qu'est-ce que je fais? J'attendrai bien que Venise ait fait sa paix, là. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont être en dessous de 50 quand ils vont être en paix. Donc ils pourront pas rentrer dans la coalition. Donc en fait, il restera qui peut rentrer, là? Pas grand monde. Hein. L'Albanie va être en dessous de 50, la Bosnie aussi. La Valachie, ouch, la Valachie est très élevée. Non, c'est bon. Tout le monde va être en dessous de 50, je pense. Bon, pour certains, c'est limite, mais... Ouais, eux, ça va. D'accord, donc on est plutôt bien, donc on va pas attendre, en fait. Si j'avais été limite à certains endroits, j'aurais attendu, mais là, on est bien. C'est vraiment pour récupérer des terres qui nous appartiennent toutes en plus, sans exception. Donc on va pas faire... On va pas être prudent. On va y aller carrément. Alors Athéna, là, il y a des problèmes d'agitation. Ouais, je vais devoir les convertir, je crois, assez vite. On verra. C'est bon là, je peux y aller, peut-être encore attendre un mois que mon moral soit remonté. Alors, on va plutôt gagner de la piété pour accélérer les conversions. Morale terrestre, ça c'est pas mal. Ok, c'est parti. Une nouvelle guerre, comme je l'ai dit, de toute façon au début il va falloir être rapide. Peu importe l'objectif de la guerre. Je vais aller prendre Issel aussi. Ok. Ah, ils ont réussi à m'échapper. Ils vont pas m'échapper deux fois. Ok. Révolution agricole. Bon, bah là, peu importe. Hein. Je prendrai plutôt de la production, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est les taxes qui rapportent, mais sur la durée, ce qui va rapporter, c'est la production, après le commerce, et enfin les taxes en dernier. Donc je pense qu'il est plus intéressant de favoriser la production. Même si en début de let's play les taxes sont un peu plus intéressantes. Ça a toujours... en fait, première partie du let's play c'est les taxes, deuxième partie c'est la production. Et troisième partie, si on se débrouille bien évidemment, ce sera le commerce.
Mais ce sera vraiment plutôt dans les années 1700 que le commerce prend toute son ampleur, si on a fait des conquêtes suffisantes, évidemment. Après, je dirais que de 1550 à 1700, ça va être la production. Mais les taxes, au début, c'est ça qui... Sur la fin, donc c'est la production. Globalement, je pense que sur toute la durée du let's play, c'est la production le plus important. Caracunlu, j'ai peut-être été un peu au-delà de ce qu'il me fallait. Non, ceci dit, je peux faire trois revendications sur la Géorgie. Venise, on va pouvoir s'arrêter. Ok, donc ça c'est bon. Et on va faire peut-être... Peut-être au cas où, hein. Je dis pas que ça me servira, mais sur la Moldavie, ça va peut-être vexer la Pologne. On va peut-être éviter de vexer tout le monde. À chaque fois que si je me fais prendre, ça risque de créer un incident diplomatique, grosso modo. Alors là, je vais éviter l'attrition. Pareil ici. Ok. Bon. Je vais m'arrêter ici. Peut-être que Venise a perdu. Ouais, Venise a perdu aux dépens de l'Albanie quand même. Hein. Ça fait mal. Venise cède Durazzo. Venise cède Brescia. Oh là là là. Venise s'est pris une claque. Dès le début du let's play. En général, Venise finit toujours par disparaître. En France, ça a donné quoi? Ouais, l'Angleterre a dû céder deux territoires, c'est pas tant que ça. Non, trois territoires avec le Maine, qui avant faisait partie de la Provence, mais dorénavant fait partie de l'Angleterre. C'est un changement, même pas du DLC, c'est du dernier patch, je crois. Ça a été modifié légèrement, on va dire. Bon, je m'arrête là, je vous laisse, je vous donne rendez-vous bien sûr demain pour la suite de ce Let's Play.